Bonsoir. Déjà, merci à tous d'être là ce soir. Je vais vous parler d'Angular 2. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Quentin Chapelle. Je suis analyste développeur chez Michelin. Donc, Angular 2. Généralement, quand on parle d'Angular 2, les premières choses qui viennent à l'esprit, c'est nouveau. Est-ce qu'il va y avoir de la communauté? On entend parler de plusieurs langages, ES6, Dart, TypeScript. Ça peut faire peur. Que c'est une réécriture de framework, donc on entend dire il va falloir tout refaire. Donc des fois on hésite à y aller. Après, dans un second temps, on entend parler de tous les points positifs, donc web component, mobile, performance, enfin on voit qu'au final ça vaut peut-être le coup d'y passer. Moi ce soir je propose de faire une introduction à Angular 2 en travaillant sur un petit cas pratique. On va travailler dans le cadre d'un outil de vote en ligne pour l'élection présidentielle de Groland. La première chose qu'il faut savoir sur Angular 2, c'est que tout est composant. Donc on a un composant route et on a plusieurs composants qui vont être rattachés à ce composant. Dans notre cas, on va faire quelque chose de très simple, on n'est pas sur un outil qui pourrait être utilisé dans le marché. On va suivre cette structure, donc on va avoir un composant machine à vote, qui va être nos composants route, un composant de login et des instanciations de composants candidats. Donc maintenant, au travail. On va, première étape, c'est de générer notre projet. Donc bon, il y a plusieurs manières. Il y a la manière où on fait tout à la main, mais moi je suis un peu feignant, on m'a appris ça à l'UT. Mon informaticien est un informaticien feignant, donc du coup j'utilise les outils qu'on me donne. C'est très simple, Angular nous fournit un client et grâce à NGNU, je crée tout de suite un projet qui va être fonctionnel. Ensuite, j'aurai plus qu'à lancer ngServe pour pouvoir tester et voir le rendu de mon application. ngServe va faire plusieurs choses. Les deux étapes majeures vont être de fournir déjà un serveur à HTTP et de faire toute l'étape de transpilation. Puisque Angular conseille d'utiliser ES6 ou TypeScript, qui sont deux technologies pas supportées par les navigateurs aujourd'hui. Donc on a une transpilation vers de S5 qui est supportée. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose comme ça. Donc il y a pas mal de fichiers de configuration, je vous épargne les détails. On va aller à l'essentiel sur donc, ces quatre fichiers-là qui sont notre composant route en fait. Qu'est-ce qu'on a dans ces fichiers de base? De base, on a quelque chose de très simple. Mais déjà, on arrive sur le premier axe du framework qui est l'interpolation. C'est quelque chose qu'on connaît bien quand on a déjà fait de l'Angular 1, puisque c'est quelque chose vraiment une base du framework, et qui devient encore plus simple ici. Avant, sur Angular 1, on avait utilisé des scopes ou des contrôleurs AS, des choses qui, quand on débute, étaient assez difficiles à comprendre, parce que ça incluait des choses implicites qui des fois n'étaient pas évidentes à prendre en main. Ici, comme on est encapsulé dans des composants, on n'a plus ce problème-là. On a juste à déclarer une variable sur notre partie logique. Et avec les doubles tilts, on l'affiche à l'écran. Donc, grâce à ça, cet exemple va nous afficher AppWorks dans un titre. On va aller plus loin maintenant. On va générer un nouveau composant. Donc, pareil, une petite commande qui va bien. Et on régénère les fichiers qui vont bien pour un nouveau composant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Angular 2, on a des notions de DOM shadow, ou shadow DOM, je ne sais plus dans quel sens on le dit, qui sont en fait des DOM dans le DOM. Donc en fait, chaque composant va avoir son DOM qui lui est propre, et il va modifier ce DOM-là et pas le DOM général. On va aussi avoir de base, par défaut, une isolation du CSS. Donc quand on fait un CSS dans son composant, on modifie quelque chose, ça va pas sortir de ce composant. Bien sûr, c'est une règle qu'on peut casser avec des paramétrages, mais par défaut, on est vraiment dans le composant. Donc, moi, je vous propose cette implémentation de notre template login. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est MD quelque chose, c'est que j'utilise juste quelque chose de graphique qui s'appelle Angular Material et qui permet d'avoir du Material Design, mais ça n'a rien à voir avec le framework. Ici, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est event, binding et directive de structure. Le premier, c'est l'event. Donc, ici, un clic, on voit tout de suite, en fait, ce que ça va faire, ce bout de code. Et c'est là que Angular
2 est fort. On n'a pas besoin d'aller apprendre des NG quelque chose, NG ceci, NG cela, pour comprendre deux causes. Là, entre parenthèses, ça veut dire que je vais avoir un événement, je prends cet événement et je vais lancer une fonction que je définirai dans mon TypeScript à côté. De la même manière, on a quelque chose pour le binding entre crochets ce coup-ci. Et là, ça prend encore plus son sens puisque on a toujours des objets avec des placeholders, des alt, des titles, des choses comme ça. Et là, on va pouvoir très facilement binder ses propriétés. Et enfin, on a tout le reste qui se trouve dans les directives de structure qui vont être ici ng-if et ng-model, qui permet en fait d'aller un petit peu plus loin que ce que nous permettrait un objet HTML normal. Donc pour le ng-if, c'est assez simple, hein, on met une expression qui retourne un true ou false. Et donc si on est en faux, on ne mettra pas l'objet dans le DOM. Si on est en true, on trouvera l'objet dans le DOM. Et le ng-model est un petit peu particulier puisque en fait, ça va permettre de lier l'objet à notre code TypeScript et il peut aussi bien être compris comme étant un binding qu'un événement. Puisque si on change dans le TypeScript, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe sur l'écran. Donc c'est pour ça qu'on a parenthèse et crochet. Au niveau du TypeScript, on est très simple. Il n'y a rien de très compliqué. La seule chose par rapport à un autre langage qu'on va voir, c'est un décorateur component qui va nous dire voilà, je suis dans un component, et peut-être cette balise selector qui va juste définir la balise qu'on aura appelée plus tard pour utiliser notre composant. Autre chose qui peut perturber au départ, c'est la façon dont on déclare une variable. On a le nom, le type et la valeur, au lieu d'avoir. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Et donc, ici, on déclare la fonction qu'on appelle avec l'événement. Donc maintenant, comment utiliser notre composant? C'est simple. Il y a juste à utiliser cette balise-là qui était dans le sélecteur. Et partout où je mettrai cette balise-là, je réutiliserai mon composant avec tout ce qui va avec, le template, le CSS, etc. J'ai mis cette partie-là pour information, puisque si vous n'utilisez pas le generate, le client, il faut vérifier que dans notre module, donc c'est un fichier sur lequel on est passé très vite au départ, qu'il est bien listé. S'il n'est pas listé, vous ne pourrez pas y accéder dans votre application. Mais donc, c'est un avantage du client. Toutes ces choses-là, il le fait derrière sans que vous ayez à vous en soucier. Donc maintenant, c'est bien beau, on a un login, mais on va vouloir lister des candidats. Donc comment on liste des candidats? On va créer un nouveau module qui s'appelle candidat. On verra comment tout à l'heure. Et là, on a une nouvelle directive qui va nous permettre de faire une loop, de faire un loop en fait. Donc on va boucler sur une liste de candidats et on va afficher des candidats. Et là on a un nouveau truc qui arrive, qui est une propriété candidat, c'est pas une propriété normale, c'est une propriété bizarre, qu'il va falloir qu'on définisse pour pouvoir utiliser le module. Avant de voir comment on définit ce module, un petit point sur la programmation réactive. Angular 2 pousse l'utilisation de la programmation réactive. En Angular 1 et en JS jusqu'ici, on est plutôt sur un fonctionnement en ce qu'on appelle enable. Donc on attend un retour. S'il est en succès, on fait ceci. S'il est en erreur, on fait ceci. Là, en fait, on fonctionne avec des événements. On attend, enfin, on s'abonne à un événement et selon le retour, on fait une action. L'autre point qui diffère beaucoup par rapport à Angular 1, c'est tout ce qui est injection de dépendance. En Angular 2, en fait, on a une construction d'un arbre de dépendance. Donc, par exemple, ça c'est un exemple tiré de la documentation officielle que je trouve très bien. On a trois modules. Dans le module 1, j'injecte car engine tire. Dans le 2, car engine. Et dans le 3, seulement car. Donc, dans le module C, je vais avoir une instance de car du module C, une instance d'engine du module B et une instance de tire du module A. En fait, je vais chercher l'injection qui est la plus proche de moi. Ça, c'est très important pour tout ce qui est service, puisque en Angular 1, un service était un vrai singleton. Peu importe où je l'utilise dans mon application, je suis sur la même instance. Tandis que ici, si j'ai par exemple plusieurs instanciations de cet objet C, je vais avoir autant d'instanciations du service différentes que d'objet C. Donc si je veux avoir un vrai singleton, il faut que je fasse attention où je l'injecte et que je l'injecte bien sur les tâches du dessus.
Alors maintenant, on va construire, avant de construire notre item, on va construire un service qui va nous permettre d'aller chercher sur une API REST, notre liste de candidats. En fait, c'est très simple, c'est une classe toute bête. Il y a juste un décorateur qui arrive et qui est en plus optionnel, qui est injectable, qui ici est obligatoire, puisqu'en fait, il veut juste dire que ce service qui va être injecté quelque part, il a besoin d'abord d'une injection. Donc là, c'est d'utiliser d'HTTP. Pour utiliser mon service, très simple, j'appelle la méthode et après je vais utiliser donc ce qu'on a vu plus tôt, le subscribe, donc pour m'inscrire donc à l'événement. Et je passe juste par un intermédiaire map qui va me permettre en fait de modifier mon objet pour qu'il ait la bonne forme, la forme que je souhaite. Donc voilà, maintenant on a un service, on a un module de login, mais maintenant faut réussir à interconnecter tout ça en fait. Alors, premièrement, notre candidat item component, donc une classe toute bête comme les autres composants, il a juste une particularité, c'est qu'il va prendre un paramètre en entrée. Pour ce faire, c'est très simple. On a décorateur input qui va nous permettre de faire ça. Donc c'est vraiment vraiment très simple. Il y a juste une petite particularité, c'est donc on va pas, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer ce soir, mais on a un cycle de vie en Angular 2 qui est un petit peu plus complexe qu'Angular 1. Et donc tout ce qui est paramètres ne va pas être accessible dans un constructeur. En fait, au moment où on lance le constructeur, on n'a pas encore fait toutes les opérations de binding. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on implémente une interface qui s'appelle onInit, qui va nous obliger à écrire cette fonction pour, par exemple, manipuler les paramètres. Puisque si on essaie de manipuler candidat dans le constructeur, on aura une erreur. Pareil dans le login, dans l'autre sens, quand je vais me loguer, il faut que j'invertisse tout le monde pour dire voilà, je suis logué, je vais pouvoir voter. Donc là, on a le décorateur output qui est légèrement différent, puisque là, il s'agit d'un événement qui va renvoyer un certain type de données. Et donc quand je vais appuyer sur mon bouton login après avoir rentré mon mot de passe, je vais appeler cette fonction qui va émettre en fait un événement user logged avec mon username. Et donc comment récupérer cet événement? Bah, c'est simple, mon app login qui était simple tout à l'heure, se complexifie un petit peu. Entre parenthèses, puisque c'est un événement, je récupère le retour d'événement et je le passe dans une option login. Mais ça, du coup, je suis un niveau au-dessus. Avant de terminer, un point rapide sur le passage AngularJS à Angular 2. Ça peut faire peur, mais il y a quelques bonnes pratiques à mettre en place pour que ça se passe bien. Déjà, premièrement, arrêtez d'utiliser les scopes, utilisez seulement tout ce qui est contrôleur as. Et utilisez au maximum les composants qui ont été introduits dans la norme 1.5.5. Et on a certains outils qui sont proposés par Google comme ng-upgrade qui permettent de faire cohabiter des bouts de code Angular 1 et Angular 2, si on veut y aller de manière plus progressive. Pour vous faire peur avant de partir, Angular 3, qui s'appellera Angular 4, arrive en mars 2017. C'est rétrocompatible. C'est en fait, Google ne veut pas entendre parler d'Angular 2 parce que ce n'est pas Angular 2 qui arrive, c'est Angular tout court. Et on a juste une manière d'incrémenter les versions qui va être différente de ce qu'on a connu jusqu'ici avec AngularJS. Voilà, j'ai listé les ressources qui m'ont permis de préparer cette présentation. Et merci de votre attention. Vous pouvez bientôt re retrouver le petit projet de la machine.